approche de la célébration de la Pâque, fête qui commémore la libération du peuple juif et le salut de leurs enfants face à la violence déchaînée de Dieu contre les Égyptiens, et alors que les fêtes brassant des centaines de personnes à Jérusalem et autour du temple, où devaient s'effectuer les sacrifices des agneaux et où les familles se retrouvaient pour accomplir des rites et chanter des psaumes de louange, le clergé, lui, s'interroge sur comment faire périr Jésus. Jésus, qui lui-même avait déjà échappé au massacre des enfants dans l'évangile de Matthieu, massacre orchestré cette fois-ci par Hérode. Ce Jésus est maintenant poursuivi par les siens, par les représentants des autorités juives et pire, par l'un des 12 disciples, Judas, qui va de lui-même trouver le clergé pour lui proposer un arrangement morbide. Ces quelques versets sont un petit condensé de figures négatives, mauvaises et malfaisantes. Les grands prêtres et les scribes qui cherchaient comment éliminer Jésus sans choquer la foule. Satan et Judas et les chefs des gardes, c'est-à-dire les responsables de la police du temple, sans doute des Lévites, sont aussi complices de l'organisation du crime. Ainsi, autour de Jésus, le mal s'organise. Le clergé, qui ne savait pas comment faire périr Jésus, trouve la solution auprès de Judas. Judas, c'est lui que le texte met bien sûr le plus en avant. Avec Satan qui entre en lui, sa démarche prend une tournure quasi surnaturelle. Il porte le mal en lui. On dirait qu'il porte le mal avec une majuscule. Mais essayons de comprendre comment ce mariage entre Judas et Satan a pu se faire et qu'est-ce qu'il signifie. Passons d'abord Judas à la loupe. L'évangile de Luc n'est pas l'évangile qui rapporte le plus grand nombre de récits sur Judas. Pour cela, il faut se tourner vers l'évangile de Matthieu et vers l'évangile de Jean. Jean insiste sur son intérêt pour l'argent et Matthieu raconte ses remords et enfin son suicide. Quoi qu'il en soit, Judas est le traître, l'hypocrite, le redoutable, mais aussi l'inconscient, car il ne mesure pas la puissance de Dieu. Il croit parce qu'il voit Jésus être dans une posture de plus en plus fragile, qu'il n'a pas de pouvoir, au sens où il n'apporte ni reconnaissance, ni gloire, ni changement. Ainsi, Judas ne peut plus croire à ce Messie. Et Satan ? Satan, qui est-il ? Satan est présent dans les 4 évangiles. Son nom revient 14 fois, donc 5 fois dans l'évangile de Luc, c'est quand même assez peu. La présence de la figure de Satan dans la Bible est très ancienne. Elle a traversé tout l'Ancien Testament et elle s'est aussi développée plus tard dans les écrits intertestamentaires, ces écrits qui n'ont pas été reconnus dans le canon, mais qui ont été écrits entre la fin des récits de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament. Et puis la présence de Satan a continué, apparaît aussi dans le Nouveau Testament. La première occurrence du mot dans l'évangile de Luc, c'est dans le chapitre 10 au verset 18. Cette première occurrence arrive quand les disciples s'étonnent que même les démons leur obéissent. Et Jésus leur répond alors, « Je vois Satan tomber du ciel comme l'éclair ». Cette expression rappelle un chant du prophète Ésaïe au sujet de la défaite du roi de Babylone. Ésaïe écrivait « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ?» L'astre brillant est traduit par Lucifer dans la traduction latine de la Vulgate. Cet astre brillant, déjà présent dans Ésaïe, s'inscrit dans des traditions mythologiques connues
et sans doute très répandue dans le monde méditerranéen, des traditions qui parlaient des êtres célestes déchus. La littérature judéo-hellénistique dans laquelle s'est formé le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, eh bien dans cette littérature-là, le mythe va encore se développer et puis il va traverser le temps pour arriver jusque dans le livre de l'Apocalypse, un livre tardif qui va réunir dans un même concept le serpent, le diable, le dragon et Satan. Ainsi, dans les cultures, dans les mythologies et les croyances contemporaines des rédactions de l'Ancien et du Nouveau Testament, il y avait une ou des figures du mal. Dans le monde hellénistique, la figure du mal va se développer jusqu'à l'idée qu'il y a un dieu du bien et un dieu du mal, et que le monde des hommes, le monde de ce qui se passe dans notre monde, est lié à leur combat. Ce dualisme s'est intensifié, par exemple, dans une religion dont vous avez sans doute entendu parler, en tout cas vous allez reconnaître l'expression, cette religion qui est le manichéisme. Donc on dit souvent c'est manichéen, vous savez, pour dire qu'il y a un dualisme. Et ce manichéisme était lui-même issu d'une très ancienne religion qui était le zoroastrisme, qui était encore plus ancien. Le manichéisme, lui, date du 3e siècle. Ces représentations du bien et du mal, elles font largement appel au paganisme et à des anthropomorphismes. Mais elles reflètent néanmoins la conscience universelle de l'homme sur le bien et sur le mal. Une conscience universelle des images aussi autour de ce bien et ce mal, car on parle aussi dans toute cette littérature d'une lutte entre la lumière et les ténèbres, et sans doute ça vous rappellera aussi des choses. Mais de quel mal parlons-nous dans la Bible? Dire d'abord que Satan dans la Bible n'est jamais l'égal de Dieu. Il n'y a pas de dualisme. Satan n'est pas à proprement parler le mal, je dirais plutôt qu'il se sert du mal pour arriver à ses fins. La traduction correcte et son étymologie font de lui depuis l'Ancien Testament l'adversaire de Dieu. Satan, c'est celui qui ne veut pas que les projets de Dieu se réalisent. Il peut être cynique, comme dans le prologue de Job, accusateur de l'humanité, tentateur, associé aux démons dans les évangiles, mais il n'en reste pas moins qu'un manipulateur, et le mal existe en dehors de lui. Du point de vue narratif, la narration nous apporte aussi des éléments intéressants. Dans ce point de vue, du point de vue narratif, Satan est une figure rhétorique par laquelle le lecteur justement à l'encontre du plan de Dieu. Et puis dans la rhétorique, dans la narration, il permet aussi à Dieu de se montrer plus fort, plus bon, plus durable, plus fidèle que lui. Il lui permet à notre Dieu de faire triompher son œuvre sur les adversités en dévoilant les pièges dans lesquels nous, les lecteurs, nous pourrions tomber. Et n'est-ce pas ce qui arrive à Judas? Lui dont la foi est vacillante, intéressée, pas assez forte et clairvoyante pour confier à Jésus les clés de l'avenir. Ce Judas brise le cadre des relations qui le liaient à Jésus, bien sûr, mais aussi aux disciples. L'amitié, la loyauté, l'espérance commune, les risques partagés, tout cela est balayé. Et ce dépassement, ce basculement hors norme porte la marque de Satan, parce que c'est une folie négative, destructrice, comme est celle du démon. C'est la folie qui mène à la mort, mort de la relation, fin de l'espérance, négation de l'autre. Et on se souviendra de la perversion absolue du baiser de Judas. Mort de soi-même,
et suicide, car Judas, oui, finira par se suicider dans l'évangile de Matthieu. Cette folie n'est donc pas une folie ordinaire pour la Bible, elle est érigée au rang du démon. Et ce que nous dit aussi la Bible, l'évangile, c'est que cette folie n'est pas du ressort de Dieu. De cette folie, nous pourrions dire bien des choses, et bien des cas pourraient encore servir d'exemple dans notre monde. Dans notre monde contemporain, nous pourrions illustrer cette folie. Acharnement à tuer, à trahir, à nier l'existence de l'autre, à balayer toute espérance, tout cela ce sont hélas des réalités bien vivaces autour de dictateurs ou d'individus de toutes sortes qui précipitent le monde, leur propre monde et les autres dans le chaos. Mais le plan de Dieu est tout autre. Jésus le Christ, le Messie attendu par les prophètes et par des milliers d'êtres humains, dont nous, qui essayons aussi de démêler à notre façon le mal du bien, le vrai du faux, le sens des choses au milieu des beautés, mais aussi des souffrances du monde et de nos propres souffrances, eh bien ce Jésus nous montre à nous aussi la voie pour que nous ne sombrions pas dans la folie, cette sorte de folie du nihilisme que Judas représente, une folie des sans foi ni loi, des sans espérance. Car, contrairement à ce que peut penser Judas, demain est là et demain existe. Et le sens des choses ne s'éprouve pas seulement dans l'instant, dans le présent. Le sens des choses s'évalue aussi sur ce que nous apportera demain. Dans la Bible, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile, c'est celle que nous allons vivre bientôt, le récit du tombeau vide et celui de la résurrection. C'est la victoire de la vie, c'est le dévoilement de l'œuvre de Dieu dans le monde et pour le monde, pour nous, pour notre humanité. C'est une œuvre qui dit le bien et le bon, qui dessine une espérance et un chemin qui nous fait voir plus loin qu'aujourd'hui. On regarde notre vie à partir de demain. Et c'est cela qui nous fait tenir bon sur nos routes, souvent désertes et douloureuses, il faut le dire. Ce texte ainsi, il me semble, est un appel à ne pas tomber dans le piège, comme l'a fait Judas, dans le piège de nos doutes, dans le piège de nos désillusions. C'est un appel à maintenir la foi vive et croyante. Et contrairement à Judas, encore une fois, c'est un appel à confier les clés de l'avenir à Jésus, car c'est là que se trouve notre salut, c'est là que se trouve la réconciliation, et c'est là que nous ferons l'expérience du bien et du bon. Amen.